Salut les Yumis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera principalement un book haul. Et principalement le book haul du mois de septembre. On va commencer par les mangas. Numéro 5 déjà. Alors, j'ai pris Love Mission. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Des éditions Pika édition Sojo. De Emma Toyama. Voilà, j'ai déjà le numéro. Le numéro 1, 2, 3, 4. Donc j'ai pris le tome 5. Ensuite j'ai pris Love Mission tome 6, toujours des éditions Pega Edition de Emma Toyama. Ensuite, j'ai pris le tome 7. Voilà, je les ai tous achetés sur Vinted. Franchement, ils sont impeccables. J'ai rien à dire. Pas me plaindre. Après, moi, perso, je m'en fous de l'état. Tant que tu peux le lire. Tant que les pages sont pas déchirées. Tant que la corne n'est pas déchirée. Enfin voilà. Donc voilà. Donc c'est le tome 7 de Love Mission. PK édition. Je vais pas le redire plusieurs fois, vous l'avez compris. Tome 8 de Love Mission, toujours. Et le tome 9. Voilà pour les Love Mission. Ensuite, je ne me souviens plus si je vous avais montré ce livre. K-pop confidentiel, Young Adult Hugo New Way. Pardon. De qui ? De Stephen Lee. Voilà. J'avais eu pour mon anniversaire. Je sais plus si je vous l'avais montré. Donc je vous le remonte quand même. Ensuite, à nouveau dans les mangas, j'ai pris Card First Love tome 1, histoire d'un premier amour de Kao Miyazaki. Génération Comique, des éditions Génération Comique. Voilà, je vais pas vous résumer les livres parce que sinon on en a pour 10 000 ans. Dans la même série, j'ai pris le tome 2. Toujours des mêmes éditions. Le tome 3. Le tome 4. Il y a le reflet de la fenêtre de tome 4. Et le tome 5. Ouais, si je ne me trompe pas. 4, 5. Oui, c'est bon. Et le tome 5.
de la même saga. Et logiquement, le reste, je les ai. J'ai le tome 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Je galérais à trouver les tomes que j'ai trouvés sur Vinted. En livre, on va commencer par je l'ai pris en grand format. Je sais que je l'ai en petit format, mais je l'ai pris en grand format parce que je préfère les grands formats pour ma bibliothèque. Je trouve ça plus joli. Donc j'ai pris Cœur de mandarine, tome 3 de Les filles au chocolat. Voilà. Franchement, j'ai rien à dire. Je sais pas ce que c'est ça. Enfin voilà quoi, on voit qu'il a du vécu. Il a du vécu. C'est un livre qui a été lu. C'est pas un livre qui a pris la poussière pour rien et que chi et que voilà quoi. Le tome, donc là c'était le tome 3, le tome 4, Cœur de coco, pareil, je l'ai en petit format, d'ailleurs je le revends sur Vinted. Ah, faut que je trouve un. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Des éditions Nathan, j'ai oublié de dire. De Cathy Cassidy. Celui-là, je ne l'avais pas. Le tome 5, toujours de Cathy Cassidy. Les filles au chocolat, des éditions Nathan. Pareil, hein, il a du vécu celui-là. Hein. Il est un peu froissé. Mais moi, tant que je peux le lire, je m'en fous. Quoi. Franchement, pas ça qui va m'arrêter. Enfin voilà, mon propre avis, c'est pas ça qui va m'arrêter. Donc toujours en grand format de Cathy Cassidy des éditions Nathan. Voilà. J'ai pris Cœur pour vrai de Cathy Cassidy, Les filles au chocolat. Des éditions Nathan toujours. J'adore les premières de couverture. Elles sont trop jolies. Et ça, rien à voir. C'est toujours par l'auteur des filles au chocolat, donc de Cathy Cassidy. Les 5 lettres du mot cœur de Cathy Cassidy. Des éditions Nathan. Je trouve, franchement, pardon, les premières de couverture sont magnifiques. Là, je vais vous lire le résumé. Carrie, Omisha, Eden, Uma et Ryan sont inséparables comme les 5 doigts de la main. Ou comme les 5 lettres du mot cœur, que forment les initiales de leur prénom. Ah ouais. Ah bon. J'avoue, j'ai pas capté. Mais après une violente dispute, leur groupe est brisé. Même Eden et Ryan, qui étaient amoureux en secret, ne se parlent plus. Est-il vraiment trop tard, 2 ans après, pour recoller les morceaux de l'amour et de l'amitié? Voilà, donc c'est de Cathy Cassidy, des éditions Nathan. Je vous en remontre. Voilà, voilà. Et c'est tout. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à activer le petit bouton s'abonner qui est juste là. La petite cloche pour plus de notifications dès qu'il y a une vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez certains livres que j'ai
dont j'ai parlé dans mon book haul. Sans spoiler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.